c'est conseillé de pas le faire. Oui, parce qu'à partir du moment où il y a un bot dans l'une des équipes, c'est bon, c'est l'équipe qui a perdu, hein. Voilà, parce que le bot va se mettre à faire n'importe quoi, les ennemis vont le farmer. Les bots ne respectent jamais les objectifs, à moins que ce soit du genre tuer 2000 ennemis, là il le fera juste, mais si c'est genre capturer les bases ou tuer les autres commandeurs, il en aura rien à foutre, il tuera des ennemis. C'est tout. Voilà. Simple soldat, c'est mieux. C'est plus simple. Ah tiens, c'est marrant, je viens de remarquer que j'ai la même arme que mon général. Ah ouais? Ouais, elle a aussi des chakrams. Sauf que les siens, ils sont rétractables. C'est plus classe. Oh, allez, vas-y, c'est cool de jouer sur ton grippin là, Julius. Putain, pas vrai ça. Voilà, jouer sur un grippin au Cameroun avec une connexion internet Qu'on montée à obtient partir en d'un fil pédalant. dentaire, obtenu en faisant pédaler un hamster sur une motocyclette, ça n'est pas possible. Non, et ça lag beaucoup. Ceci dit, il sera intuable puisqu'il passera son temps à se téléporter. Oui, parce que ce genre de personne-là, ça lag. Non, mais putain! Vas-y, d'accord, on a nos 4 joueurs, mais je crois que j'aurais dû couper le chargement. J'aurais dû couper la vidéo aussi pour le chargement, hein. Allez, On en est, Julius. on peut laisser, on en profiter pour parler des derniers points qui restent. Oui, on peut parler Commençons pas. par le gameplay. Oui. Le Bah, toi qui game. peux faire un point de comparaison. Oui, bah, le gameplay est très similaire à Dynasty Warriors 3 sur PS2, justement, sauf qu'il est beaucoup plus rapide, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que sur Dynasty Warriors sur PS2, on avait largement, des fois, vite fait de se prendre pour un escargot asthmatique, vu la Ça va vitesse de nos enfin coups. commencer. Ouais, c'est pas trop tôt. Avec une musique qui me fait penser à une musique 8 bits derrière. Ah ouais. Avec une Bon. petite musique qui me faisait penser à du 8 bits. Oui, je C'était sais, j'ai sympa. entendu. Mais on peut justement aussi noter le fait que les musiques sont assez rythmées, hein. Je te rappelle que l'objectif du combat est de capturer toutes les bases à droite. Ceci dit, je préfère quand même avoir quelques. Allez, alors là, je peux te parier que je l'aurai pas. Ok, il y a une perso là qui s'attaque à moi, je sais pas pourquoi, je lui ai rien fait. Ah oui, parce que j'ai mis en ennemi commandeur. C'est vrai. Mais je suis en train de lui poutrer la tronche. Donc à mon avis, elle va plutôt fuir. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Voilà, je vais pas dénigrer le Way, hein, parce que apparemment c'est la team des gros méchants, mais c'est des putains de lâches, hein. Dès que vous leur poutrez un peu la tronche, ils se barrent. Bon, moi je vais attendre Alors, d'avoir. j'aurais peut-être pas dû prendre cette arme-là parce qu'elle est. J'ai pas envie de dénigrer mon perso, mais. Cette arme est à chier. Je vais attendre d'avoir les damage et les attaques au maximum avant d'attaquer les bases. Même chose. Putain, bah voilà. Voilà, maintenant que j'ai foutu les conditions de victoire en commandeur ennemi buté, voilà, tout le monde m'attaque. Voilà, et ils en ont rien à foutre des bases, c'est ce que je dis, c'est complètement débile ce mode de jeu. C'est le seul mode de jeu qui a rien à voir. Et qui sert à rien, techniquement aussi. Bon allez, on va quand même aller attaquer une base, hein, parce que. Enfin, j'attends juste d'avoir mes attaques au maximum. Bon voilà, j'ai un point d'attaque, ça suffira. Allez hop, on va aller attaquer une base. T'es le numéro combien à droite? T'es le numéro 2. Donc je vois où Bah t'es. oui. Tu peux aller attaquer la base jaune par exemple, ça nous ferait une base de plus. Ouais, mais j'ai rien en fait pour l'instant. J'arrive pas à choper mes Amelio. Ah ouais? Et autant te dire que sans, je vais pas faire grand-chose. Ça va pas aider. Ah bah tiens, il y a des flasques qui traînent par terre, ça c'est cool. Oh. Bonjour monsieur. Je vais vous laisser, hein. Bon, on peut noter que les doublages japonais sont de très bonne qualité, hein, mais en même temps, j'ai rarement vu des doublages japonais qui étaient de mauvaise qualité. Quand même le Si, signaler. t'en as vu, Oui, j'en récemment. ai. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé rarement. Allez, une flasque seulement. Voilà. Et j'augmente ma vie. Comme ça, si on me cogne dessus, j'aurai un peu moins mal. T'auras toujours aussi mal. Oui. Ça se sentira moins, c'est tout. Voilà. Oh putain, les damage au maximum, qu'est-ce que je fous aux tourelles? C'est assez impressionnant, je les tue en 4 coups les tourelles. Bah, c'est tant mieux. Bon, comme j'ai laissé les items en remain, tu peux mourir autant que tu veux, hein, t'auras pas à tout refaire si jamais.
Mais vite quand même, vu que la victoire est déterminée par le nombre de commandeurs ennemis ou alliés tués. Oh, voilà, je m'en doutais. Tiens, il y a un... Oui, il y a un loup, oui. J'aurais voulu l'avoir. Eh ben, ma foi, tu l'auras pas. Mais cassez-vous, les soldats. On peut aussi noter que quand il nous reste qu'une seule base, la musique, elle change vers un truc beaucoup plus stressant, beaucoup plus triste, histoire de vous dire, bah, bouge-toi le cul. T'as ta base qui a été prise. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce que des fois on n'a pas forcément le réflexe de regarder en haut à droite. Putain, j'aurais dû m'en douter de ça. Quoi? Bah ils l'ont chopé avant que je m'y rende. Bah retourne-y. Alors pour faire simple en fait, la plupart du temps vous serez absolument incapable de choper un lieutenant. Ouh. À chaque fois il y aura toujours un mec qui tombera dessus mais qui a déjà 50 lieutenants, mais il s'en fout, il les prend, hein. Oui, pas de problème. Tu peux aller récupérer celle en bas à gauche si t'y arrives. Pour l'instant, je suis un petit peu au milieu de plein de mecs. Bah justement, t'as toutes tes améliorations ou pas? Non. Et merde. Puis là, apparemment, nos alliés sont des putains de manchots. Et je plaisante pas, hein. Surtout que Julius... Ah bah voilà pourquoi on perd. Julius est devenu un computer. Ceci explique cela. Il a déconnecté. J'avais dit pourtant que jouer sur son grippin n'était pas une bonne idée. Bon bah il faut se dépêcher d'aller récupérer une base et en vitesse là, parce que sinon on va perdre, il reste plus qu'une base et elle est attaquée en ce moment. On va perdre. Voilà, super. Magnifique, la bataille aura pas duré longtemps, hein. Enfin, si j'arrive à récupérer une base in extremis, mais ce dont je doute énormément... Oh. Il n'y a pas que toi. Il y a un des choux qui a été qui s'est fait buter. Ouais, on a notre troisième joueur qui n'est pas trop manchot a priori. Oui, ah bah tiens, c'est nous un Destroy the Tower, ça va bien, c'est rapide ça. Non mais ça on sait, Boiti. Quoi? Le mec il gueule base. Mais attends, si t'as pas d'Amelio, tu fais quoi pour les bases? Tu souffles dessus? Essaye, ça pourrait toujours être utile. Si t'as bouffé de l'ail avant, ça peut être utile, hein. Ah oui, tu te rapproches des soldats ennemis, tu leur souffles dans la gueule. C'est bon, c'est réglé. Il y a ton lieutenant ici en passant. Oui, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, elle a le moral à zéro de toute façon. Elle a le moral dans les chaussettes. Et il y a aussi le lieutenant d'un ennemi. Bah tu le. Ah bah voilà. Oh bah je me gêne pas, hein. Je suis en train de péter la gueule. On a rattrapé le coup. Voilà, on a un petit peu de répit, je vais venir t'aider pour la base outer. Oh bah ça va, c'est un defeat the troop, c'est tranquille, hein. Ah ouais. Ça c'est classe. Oh putain! C'est pas vrai! Il l'a déjà récupéré! Il y a ton lieutenant qui m'aide en plus. Ah ouais? Mmh. Eh bah dis-lui merci. Merci. Voilà, c'est bien. T'es poli. Bon allez, on va se mettre un petit lieutenant plus, comme ça il pourra t'aider. Oui, parce que vous avez aussi l'amélioration, vous pouvez améliorer vos lieutenants, ce qui leur permet d'utiliser des capacités spéciales, ce qui est pas plus mal. Plus ou moins utile en fonction. Oui, s'il a un bon moral, disons. Comme c'est pas le cas du mien. Allez, j'ai quand même 245 ennemis tués, hein. Non mais pas touche-toi. Allez, on va se mettre un défense plus au cas où je me fais attaquer. Oh oh, il y a un ennemi. Le problème, c'est que là, j'y crois pas trop, d'autant plus que je ne sais plus comment utiliser mon mousseau. Avec... Oula, bah, je te dirais bien avec les touches de ma manette. Moi, c'est la touche 2, mais je suppose que... Bah, moi, j'ai une manette Xbox, donc... Oui, ça va pas aider. On va tester tous les boutons dès que t'es proche de lui. Il faut que je finisse la base avant lui, en fait. Oui. Faut que je finisse les derniers ennemis avant. Si jamais j'y arrive pas, c'est lui qui aura la base. Voilà, bonne chance. Parce que moi je suis en train de me diriger vers une base. Ah mais je cogne bien hein, au niveau des ennemis maintenant. Ça va mais... Mais c'est quoi tous ces élites gardes qui sont rassemblés ici? Ah, je l'ai eu. C'est la messe des officiers, c'est ça? On a quelqu'un en... Dans la... Ah merde, ils ont récupéré oh, la base. Oh putain, il y a un lieutenant Soul ici. La Soul du loup, elle est ici. Je pensais de venir la récupérer. J'arrive. De toute façon, elle va pas disparaître, donc t'as vu où je suis, je te laisse continuer. T'es là-haut? Oui. Elle est là-haut, ah bon. Ouais, il l'a pas récupéré le mec. Elle était apparue plus bas, pourtant il l'a cavalé sur une sacrée distance. Bon, c'est quoi? De nouveau un Destroy the Tower? Mais dis donc, je suis verni, moi. Bon, allez, une tour détruite. Bon. Ah,
Tiens, il y a l'ordinateur qui vient m'aider, c'est gentil de sa part. Courant, j'espère juste que j'arriverai avant qu'on perde. Ouais, ça serait sympa, hein. Non, mais on va pas perdre, là, je vais réussir à récupérer la base avant. T'es sûr? Oui. Il y a personne dans la base qui nous reste, c'est ça le truc. Si, il y a Eldwelder. Ouais, bah justement, c'est un de nos alliés. Oui. Voilà, j'ai récupéré une base, t'auras le temps de récupérer, là, normalement. Allez hop, puis je vais aller encore en récupérer, même si on a perdu à cause du moral, je m'en fous, je vais les faire chier jusqu'au bout. Je te jure qu'ils vont pas gagner par les bases, ces mecs-là. Hein. Ils gagneront par le moral, mais par les bases... C'est un soldat qui me bloque. Ils gagneront par le moral, mais par les bases, impossible, ils ne le feront pas. Vas-y, bloquez-moi plus le passage. Moi, je sens que je vais aller buter des commandants ennemis, hein, ça sera plus lucratif. Je la vois. Hein? Je la vois. Vas-y, prends-la. Joli. Putain, mais hey, j'ai que ça, hein, j'ai des Destroy the Tower à répétition. Ah, il nous insulte. Ouais, bah c'est pas grave qu'il nous insulte. De toute façon, on pourra pas gagner comme ça. Non, mais je m'en fous, c'est juste pour les emmerder que je récupère les bases, là. Il peut péter son câble, hein, ça nous fera pas gagner de toute manière. Mais il y a des rageux comme ça, qu'est-ce que tu veux. En même temps, le Wu, c'est des gens qui sont assez doués dès qu'il s'agit d'avoir des missions. Y'a un ennemi. Ah bon, bah tu l'as. C'est un com. Bah tu l'as. Ça nous fera remonter notre morale. Chez eux aussi. Ça nous fera remonter notre morale. Tu l'as. Eh, n'empêche, j'ai quand même réussi à faire revenir les bases. Un autre avantage, hein. Je suis en Godly Hammer en plus là. Je cogne dur. Ouais, bah moi je cogne deux fois plus fort en fait. Je vais encore aller récupérer une base pour faire chier. Faudrait s'acharner sur le computer en fait. Bah, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais elle est résistante, hein. Encore un Destroy the Tower, mais dis donc. Mais putain, y a un joueur qui est en train de l'aider là. Et bah fais ton musou. Je sais pas comment le faire. Mais essaye tous les boutons. Ah. Trouvé. Je viens de faire quelque chose. T'as fait quoi? Bah à ton avis. Ah, tu l'as tué. Bien joué. Je l'ai tué. Non, oh, c'est Eldweller qui l'a tué. Voilà, une base de plus pour nous. Non, mais par contre, elle me met de ses lattes. Laisse tomber, quoi. Tu veux je peux rien faire. Je suis constamment stun. Cours vers moi. Alors ça c'est le. Voilà, on a perdu. Cours vers moi. Non, mais je suis mort. C'est pas la peine. Hein. Bah, j'arrive. Ça ouais. C'est le gros truc, par contre, le point noir à mon avis du jeu. Voilà. C'est à partir du moment où un adversaire peut vous stun et vous foutre par terre, vous pouvez plus rien faire. En parenthèse, parce que chaque fois que vous allez vous relever, il va vous en recoller une. Pour la précision, stun, ça veut dire assommer. Voilà, donc en gros, votre personnage est comme un abruti, il regarde le sol, en bavant sur ses chaussures, et il fait rien. Voilà, t'arrêtes de me faire chier maintenant, je vais aller tuer l'ordinateur. Regarde les deux, là, la base que t'avais récupérée à côté du loup, là. Ouais. Ouais, bah justement, j'aurais besoin d'aide, là. Je veux bien venir, mais... Déjà que c'est... Putain de soldat, arrête de se mettre dans mon chemin. Voilà, maintenant vous voyez, je suis par terre, c'est impossible de me relever. Parce que dès que je me relève, je suis mort. Ça, franchement, ils auraient au moins pu faire un petit truc. Mais tout con, vous savez ce que c'est ? Un temps de récupération. Voilà, exactement. Parce que dès que vous êtes par terre, vous êtes basiquement mort. C'est vite vu, il n'y a pas d'autre choix. T'es déjà fait avoir ? Bah oui, hein, ils étaient deux contre moi, donc... Même si c'était un ordinateur, l'autre c'était un joueur, et puis il m'a pas fait de cadeau, hein. Par contre, Eldweller, il se démerde bien. Comparé à nous. Bon, en même temps, il arrête pas de... Et allez. Bon, ben voilà, je suis mort. Là, je lâche la manette. Je peux attendre. Voilà, tu veux tomber? Vas-y, tombe. Voilà, c'est un peu ça. Ah bah voilà, maintenant je suis revenu dans notre base et il reste que l'ordi. À qui je viens de latter la gueule avec une charge. Bien joué. J'ai horreur de ça quand mes jeux me prennent pour un con quand même. Hein. Allez. Ça y est, voilà, Adroit se fout bien de la gueule de l'ennemi. Au secours.
Barre-toi. Non mais non, pas le... Pourquoi il m'a activé le chat, cet abruti? Barre-toi. Bah j'essaie.